Alléluia. Praise the Lord. Le Seigneur Jésus veut que toute l'église soit bâtie. The Lord Jesus would like all the church to be built up. Dans le ministère de délivrance. In the ministry of deliverance. Et de guérison. And healing. Parce que c'est la vocation même de l'évangile. Because it is the call of the gospel. L'évangile a été donné. The gospel was given. Pour la délivrance de l'humanité. For the deliverance of mankind. Délivrance du péché. Deliverance from sin. Délivrance des conséquences du péché. Deliverance from the consequences of sin. Tous les membres de l'église. All the members of the church. Doivent savoir qu'ils sont des instruments de Dieu. Must know that they are tools of God. Pour l'instauration du règne de Jésus-Christ. In order to install the reign of Jesus. L'évangile ramène les hommes à Dieu. The gospel brings people back to God. Et ramène les hommes au règne de Dieu. And brings people to the reign of God. L'évangile. The gospel. C'est la puissance de Dieu. It is the power of God. Pour le salut de celui qui croit. For the salvation of the one that believes. Un aspect de l'évangile. One aspect of the gospel. La foi. Faith. Nous avons commencé à parler d'elle la semaine passée. We started talking about faith since last week. Nous avons vu qu'il y a la vraie foi. We saw that there is true faith. Celle qui provient, celle qui repose sur la parole de Dieu. The faith that rests upon the word of God. Celle que crée la parole. The faith that is created by the word of God. Celle qui vient de Dieu lui-même. The faith that derives from God himself. Qui est différent de la foi naturelle. Which differs from natural faith. La foi naturelle, c'est la foi des païens. Natural faith is the faith of pagans. Même les païens croient. Even the unbelievers believe. Mais leur foi ne repose pas sur la parole de Dieu. But their faith does not rest on the word of God. La vraie foi, true faith, est celle qui vient de la parole de Dieu. Is that which comes from the word of God. Les conseils de ta grand-mère, the advice of your grandmother, peuvent être un fondement pour ta foi. Can be a foundation for your faith. Les progrès scientifiques. Scientific progress peuvent être un fondement pour ta foi. Can be a foundation for your faith. Tes propres exhortations, your own encouragement, à toi-même, to yourself, peuvent être un fondement pour ta foi. Can be a foundation for your faith. Mais cette foi-là, but that faith, ne peut pas t'amener au ciel. Cannot take you to heaven. Elle ne peut pas traverser les épreuves. It cannot bring you to go through hardships. Elle ne peut pas te permettre de vaincre. It cannot allow you to overcome. La foi qui donne la victoire. Faith that gives victory. Et la foi qui vient de la parole de Dieu. Is the faith that stems from the word of God. Il est écrit que Jésus-Christ soutient toutes choses par sa parole toute puissante. It is written that Jesus sustained everything through his all-powerful word. Quand ta foi vient de Jésus, when your faith comes from Jesus, la parole de Dieu l'engendre et la parole de Dieu la protège. The word of God created and it protects it. Ce soir, tonight, nous allons voir deux notions simples. We are going to see two simple notions. La parole de la promesse, the word of the promise, et la parole de la foi, and the word of the faith. Vous notez ceci. Note this. Il y a la parole de la foi. There is the word of faith. Et il y a la parole de la promesse. And there's also the word of the promise. Et il y a la promesse. And there is the promise. Il y a la parole. Il y a la parole de la foi. Il y a d'abord la foi. First of all, there is faith. Il y a la parole de la foi. There is the word of faith. Il y a la promesse. And the promise. Il y a la parole de la promesse. And the word of the promise. Quelqu'un lise pour nous Romains chapitre 10 verset 8. Let someone read for us Romans 10 verse 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Romans 10, verse 8. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. Amen. Romains 9, verset 9. Romans 9, verse 9. Nous venons de lire Romains 10, verset 8. We have just read Romans 10, verse 8. Nous lisons maintenant Romains 9, verset 9. We are now reading Romans 9, verse 9. Romains chapitre 9, le verset 9. Voici, en effet, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque,
et Sarah aura un fils. Amen. Romans 9, verse 9. For this is the word of promise. At this time, I will come and Sarah shall have a son. Amen. Notons ceci. Let us note this. La parole de la promesse est proclamée par Dieu lui-même. The word of the promise is proclaimed by God himself. La parole de la promesse est proclamée par Dieu lui-même. The word of the promise is proclaimed by God himself. La parole de la foi, the word est, of faith, est proclamée par le croyant. Is proclaimed by the believer. La vie en Christ est une réalité. Life in Christ is a reality. Dieu est vivant. God is alive. Et Dieu travaille. And God is at work. Quand Dieu te visite, when God visits you, il te fait une promesse. He makes a promise to you. Ton esprit, your spirit, ton esprit reçoit cette vivante impression. Your spirit receives that living impression. Tu entends la parole de la promesse. You hear the word of the promise. Il a dit à cette période de l'année prochaine, Sarah aura un enfant. Ça, c'est la parole de la promesse. He said, at this time next year, Sarah will have a child. C'est this is the word of the promise. C'est sur cette parole, it is on that word, que le croyant exerce la foi. That the believer exerts faith. Faut pas inventer. Do not invent. Faut pas dire je vais aller nager dans la mer, Dieu va me sauver. Do not say that I'm going to swim in the sea and God will save me. Si Dieu ne te l'a pas promis. If God didn't promise it par to you. Par une parole vivante. Through a living word. On appelle la parole de la promesse. That we call the word of the promise. Elle saisit ton esprit. It lays hold of your spirit. Elle t'habite. And it dwells in you. Elle te vivifie. La parole de la promesse vient avec la capacité d'attirer ton attention d'une façon divine. It gives you life. The word of the promise comes with the ability to attract your attention in a divine way. Dieu ne vient pas God does not come pour rater. Does not come to miss. Quand il vient, when he comes, c'est pour réussir. It is to succeed. Donc il te parle. So he speaks to you. Et il te marque. And he moves you. Et il y a en toi une parole qui porte la promesse. And in you there is a word that bears the promise. Et c'est cette parole-là. It is that word que le croyant proclame. That the believer proclaims. J'aurai un enfant. I shall have a child. À cette période. At this time. L'année prochaine. Next year. Ça, c'est la parole de la foi. This is the word of the faith. Elle s'appuie sur la parole de la promesse. It leans on the word of the promise. Pour proclamer ce qu'on croit. To proclaim what you believe. C'est pour cette raison qu'il est dit. That's why it is said que nous avons en nous le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. That's why it is said that we have in us the same word that is proclaimed in this word of the scriptures. I believed, that's why I spoke. J'ai cru, I believed, c'est pourquoi j'ai parlé. That's why I spoke. Pourquoi? Why? C'est cet esprit-là, l'esprit de Dieu. It is that spirit that is the spirit of God qui amenait les prophètes à dire que nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Which brought the prophets to proclaim that we believe, that's why we speak. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, lis le verset 13. In 1 Corinthians chapter 4, read verse 13. 2 Corinthiens 4, le verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. 2 Corinthians 4, verse 13. And since we have the same spirit of faith, according to what is written, I believed and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. Amen. Vous notez ceci. Note this.
La parole de la promesse est proclamée par Dieu, nous avons dit, et la parole de la foi est proclamée par le croyant. The word of the promise is proclaimed by God and the word of faith is proclaimed by the believer. Les païens ont la foi, mais leur foi est fondée sur les choses, sur les valeurs du monde. Unbelievers possess faith, but their faith is grounded on the things, the values of the world. Il y a des gens qui croient que l'argent peut tout faire. There are people who believe that money can do all. On peut corrompre les hommes. We can corrupt men. Il y a des gens qui pensent que même le ciel là, on peut l'acheter. There are some people who think that even heaven can be bought. C'est-à-dire qu'on peut acheter l'entrée au ciel. They think that they can buy their entrance into heaven. Ça, c'est la foi des païens. This is the faith of unbelievers. La vraie foi, true faith, se fonde sur la vérité de l'évangile. Is grounded on the truth of the gospel. Elle vient de la parole de Dieu. It originates from the word of God. Elle ne découle pas du mensonge. It does not come from lie. De l'erreur. From error, ou de la falsification. Or falsification. Beaucoup vont chez les marabouts. Many go to the marabouts. Et vont chez les féticheurs. To the fetish men. Il y en a qui croient aux faux prophètes. Some believe in the false prophets. Qui leur disent. Who tell them. Ne craignez rien. Fear nothing. Vous n'aurez pas de problème. You won't have any problem. Dieu vous aime. God loves you. La parole de Dieu appelle cela les espérances trompeuses. The word of God calls this deceiving experiences. Quand tu exerces la foi faussement, when you exercise, ou quand on t'amène à exercer la foi faussement, on produit à toi une espérance trompeuse. When you are brought to exercise faith in a way that is not true, we call this deceiving hopes. Lis pour nous Jérémie chapitre 7 verset 4. Read for us Jeremiah chapter 7 verse 4. Jérémie 7 verset 4 et Jérémie 7 verset 8. And Jeremiah 7 verse 8. Jérémie 7, on lit d'abord le verset 4, après on lit le verset 8. Jeremiah 7 verse 4 first and after Jeremiah 7 verse 8. Jérémie chapitre 7, le verset 4. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Jérémie 7, verset 4. Do not trust in these lying words, saying, the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord are these. Jérémie 7, le verset 8. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Amen. Jeremiah 7, verse 8. Behold, you trust in lying words that cannot profit. Amen. La vraie foi, true faith, est une ferme assurance, is a firm assurance, des choses que Dieu a promises. Of the things that God promised. C'est une ferme assurance. It's a firm assurance. Des choses qu'on ne voit pas encore. Of things that we do not mais see. Mais des choses que Dieu a promises. But that God has promised. La vraie foi, true faith, est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Is a demonstration of the things that we don't see. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. A demonstration of things that cannot be seen. Par exemple, for example, si nous prenons le cas d'Abraham. If we take the example of Abraham. First, avant même l'épreuve, on dit Abraham avait cru à la promesse. First of all, before the test, it is said that Abraham believed that the promise. Dieu lui avait promis une postérité. God promised a posterity to him. Et il avait cru. And he believed. Il est parti après quand Dieu lui a dit de sacrifier cet enfant. He went when God told him to sacrifice that child. Il est parti sans craindre. He went without fear. Pourquoi? Why? Parce qu'il se disait. Because he told himself. Qu'après le sacrifice.
That after the sacrifice, Dieu allait ressusciter son enfant. God would raise his child. Il fait une démonstration de la foi. He makes a demonstration of faith. Il n'a pas cru seulement à la promesse. He did not only believe the promise. Il a cru que he believed that la promesse ne peut jamais être détruite. The promise could never be destroyed. Il s'est dit, mais c'est Dieu qui m'a donné l'enfant. He told himself that it is God himself who gave me the child. Il me dit de le sacrifier. He tells me to sacrifice him. Ça veut dire que après le sacrifice, l'enfant va revenir à la vie. It means that after the sacrifice, the child will come back to life. Nous appelons ça la pensée de Christ, la pensée de la foi. We call this the thought of Christ, the thought of faith. Donc il y a la parole. So there is the word. Et il y a la pensée qui t'habite. And the thought that indwells you. Si Dieu te fait une promesse, if God makes a promise to you, et dans ta pensée, and in the thought, il y a l'impossibilité qui dort en toi. There is a kind of impossibility that dwells in you. Ça c'est la pensée du doute. This is the thought of doubt. Tu ne peux rien devenir. You can become nothing. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand pour que tu proclames la parole de la foi, for you to proclaim the word of faith, il faut que tu aies en toi, you must have in you, une vision correcte de Dieu. A clear vision, a correct vision of God. Qui te fait comprendre que Dieu peut tout faire. Which brings you to understand that God can do all. Et que tu peux avancer sans crainte. And that you can go forward without fear. Même quand son corps était affaibli. Even when his body was weakened. Il croyait que avec un corps affaibli, l'enfant va sortir. He believed that with a weakened body, the child could come out. Si tu es devant un cas de maladie, if you are before a case of sickness, quelqu'un te dit viens prier pour moi. Someone tells you come and pray for me. Quand tu regardes la personne, when you look at the person, tu vois même les asticots qui tombent du lit. You can even see maggots coming out of from him. Ne regarde pas les asticots. Do not look at the si maggots. Si tu regardes les asticots, if you look at them, ta foi sera tuée. Your faith will be killed. Tu ne pourras plus proclamer la parole de la foi. You will no more be able to proclaim the word of faith. Sacrifie-moi ton fils. Sacrifice your child to me. Il n'a pas dit Seigneur. He didn't say Lord. Mais tu me l'as promis. You promised it to me. Et tu as dit qu'il sera, il sera une postérité. And you said that he will be a seed. Et que je veux remplir les nations. And that I will fill the nation. Il s'est dit. He told himself. Allons. Let us go. Après cela. After that. Il y aura résurrection. There will be a resurrection. Il fait la démonstration de la foi. He makes the demonstration of faith. La foi qui l'habite. Faith, the faith that dwells in him. Lire pour nous Romains chapitre 4 verset 18 à 22. Come and read for us Romans chapter 4 reading from verse 18 to 22. Espérant qu'en toute espérance, il crut. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Who, contrary to hope, in hope believed so that he became the father of many nations, according to what was spoken, so shall your descendants be, and not being weak in faith,
He did not consider his own body already dead, since he was about 100 years old, and the deadness of Sarah's womb. He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God, and being fully convinced that what he had promised, he was also able to perform, and therefore it was accounted to him for righteousness. Amen. Hebrews 11, 17 to 19. Hebrews 11, reading from 17 to 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommée pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Hebrews 11, reading from verse 17 to 19. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, and he who had received the promises offered up his only begotten son, of whom it was said, In Isaac your seed shall be called, concluding that God was able to raise him up, even from the dead, from which he also received him in a figurative sense. Amen. L'autre pensée qui habitait Abraham, the other thought that dwelt in Abraham, c'est que Dieu peut accomplir tout ce qu'il promet. That is that God can accomplish all that he promises. Donc vous voyez que ce n'était pas une attitude superficielle, c'était enraciné en lui. So you see that it was not a superficial attitude, it was rooted, deeply rooted in him. Il ne laissait aucune place au doute. He left no room to doubt. Il croit que Dieu est puissant. He believes that God is mighty. Même pour ressusciter les morts. Even to raise from the dead. Et la conséquence? And the consequence? C'est qu'il accepte d'obéir. Is that he accepted to obey? Parce que Dieu va intervenir à la fin pour ressusciter son enfant. Because at the end, God will intervene to raise his child from the dead. Dieu est capable. God is able. D'accomplir tout ce qu'il promet. To fulfill all that he promises. Dieu est capable. God is able. De ressusciter même les morts. To raise even the dead. Dieu pensait. Two thoughts. Enracinés en l'homme. Deeply rooted in the man. Et soutenant sa foi. And sustaining his faith. Frère, écoutez ça très bien. Brethren, listen carefully. Tous les croyants. All the believers ont la vraie foi. Have possessed true faith. C'est au niveau de sa protection. It is at the level of the protection que les gens échouent. That people fail. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? L'apôtre Paul dit. Apostle Paul says, nous avons en nous la pensée de Christ. We have in us the thought of Christ. Si Dieu t'appelle, if God calls you, il faut répondre. You must respond. Quand tu as répondu, when you respond, si quelqu'un essaie de venir te dire, if somebody tries to come and tell you, que Dieu ne t'aime pas, that God does not love you. Faut pas croire à ça. Do not believe this. Ça, ce n'est pas la pensée de Christ. This is not the thought of Christ. S'il y a une pensée en toi, if there is a thought in you, qui te dit, which tells you, Dieu t'a appelé, God has called you, et tu t'en vas, and you are going, tu vas manger quoi? What are you going to eat? Ça, ce n'est pas la pensée de Christ. This is not the thought of Christ. La pensée de Christ dit que l'ouvrier a droit au salaire. The thought of Christ says that the worker deserves his
salary. Donc tous les missionnaires, so all the missionaries, tous serviteurs de Dieu, any servant of tous God, all doivent croire, must believe, que personne ne peut servir Dieu, that no one can serve God, et mourir de faim, and die from hunger. Parce que l'ouvrier because, a droit au salaire. Because the worker deserves a salary. Et Dieu récompense ceux qui le cherchent. And God also rewards those who seek him. S'il y a d'autres pensées en toi, if there is another thought in you, ces pensées ne viennent pas de Dieu. This does not come from God. Ce sont des pensées charnelles. These are carnal thoughts. Envoyées par Satan. Brought by Satan pour détruire ta foi. To destroy your faith. David a dit. David said, j'ai été jeune. I have been young. J'ai vieilli. And I became old. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. I have never seen a just that is has been abandoned by God. Ni sa postérité mendiant le pain. And his offspring begging for his bread. Même les pasteurs qui n'étaient même pas très consacrés, qui ont servi Dieu, les enfants sont bénis. Even the pastors who were not even well consecrated and served God, their children are blessed. Même les parents qui n'étaient même pas des croyants, mais qui ont enseigné à leurs enfants à être polis, gentils, calmes, sages, ils sont bénis. Even the parents who are not believers and taught their children to become wise, calm, and polite are blessed. Même les oiseaux qui ne savent pas comment on chante les cantiques. Even the birds who do not know how to sing songs sont nourris tous les jours. Dites amen. They are fed every day. Say amen. Nourris. Fed. Donc quand tu combats le doute, so when you fight against doubt, tu cites toutes ces pensées là, you quote all these thoughts. Le Saint-Esprit nous révèle les pensées qui animaient Abraham. The Holy Spirit is revealing us the thoughts that were in Abraham. Deux pensées fondamentales. Two basic la thoughts. Première, the first one, il dit, he says, Dieu est capable, God is able, d'accomplir ce qu'il promet, to accomplish that which he promises. La deuxième, the second thought, Dieu est puissant, God is mighty, pour ressusciter même les morts, to raise even the dead. Il va ressusciter cet enfant. He will raise this child. Donc je n'ai pas peur de le sacrifier. So I'm not afraid to sacrifice him. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est une bataille réelle. It is a real battle. S'il n'y avait pas de bataille à ce niveau-là, if there was no battle at this level, l'apôtre n'allait jamais dire, nous avons en nous le même esprit de foi qui est déclaré dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Il dit ça pourquoi? Parce qu'il y a cette bataille-là pour garder la foi. It's because there is this battle in us that the apostle proclaimed that I believe, that's why I spoke. And if this battle was not in us, he wouldn't have said this. Et selon les desseins de Dieu, according to the purposes of God, le miracle se produit, the miracles is produced, quand le croyant proclame la parole de la foi. When the believer proclaims the word of the faith, celui qui croit parvient à la justice. He who believes comes to justice. Mais celui qui proclame, qui parle, qui confesse parvient au salut. But the one that proclaims and confesses comes to salvation. Les bénédictions, the blessings, pour bénir quelqu'un, to bless someone, il faut qu'il y ait en toi la parole de la promesse. There must be in you the words of the promise. Quand tu bénis un frère, when you bless a brother, pense à ce que la parole dit à son sujet. Think about what the word says about him. Et proclame ça sur lui. And proclaim it on him. Proclame ça sur lui. Proclaim it on him. Viens lire pour nous Nombre 6, verset 24. Come and read for us Numbers 6, verse 24. Notez bien du verset 22 au verset 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit,
Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Lis le verset 27. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Number 6, reading from verse 22 to 27. And the Lord spoke to Moses, saying, speak to Aaron and his sons, saying, this is the way you shall bless the children of Israel. Say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. So they shall put my name on the children of Israel and I will bless them. Amen. La parole de la bénédiction proclame la bénédiction sur une personne. The word of blessing proclaims a blessing on a person. Dès que tu finis de proclamer, as soon as you finish proclaiming, Dieu amène ça à l'existence. God brings it into existence. Il dit, si tu finis de proclamer de cette manière, he says, if you finish proclaiming it this way, moi je vais les bénir. I will bless them. C'est pour cette raison que, that's why, en tout cas, si tu as les enfants, if you have children, si tu es dirigeant, if you are a leader, passe tout ton temps à bénir les gens. Take all the time blessing people. Tu bénis les gens. Bless them. Si quelqu'un pêche contre toi, tu dis à Dieu de pardonner, que c'est un enfant. If someone sins against you, tell God to forgive, he's a child. Tu dis, il ne sait pas ce qu'il fait. Même s'il a la barbe, tu dis, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Say to God, he does not know what he's doing. Even if he has beard, say he does not know what he's doing. Moi, j'ai appris à faire ça. Me, I have learned to do that. Parce que Dieu m'a révélé le mystère de la bénédiction. Because God has revealed to me the mystery of blessing. Faut bénir, tu bénis, tu bénis. Bless and bless and bless. Tu bénis que même le nom de la personne soit béni, que son nom soit grand. You bless the person, even you proclaim that the name of that person be blessed and be great. Dieu va accomplir la bénédiction. God will accomplish the blessing. Toi tu bénis, you bless, Dieu accomplit la bénédiction. And God fulfill the blessing. Si tu veux un peuple riche, if you want a rich people, bénis-les avec les richesses. Bless them with riches. Tu verras. You will see. Certains seront bénis sans savoir comment la bénédiction est arrivée. Some will be blessed without knowing how the blessing came. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Tous les prophètes qui ont béni les gens ont béni par la foi. All the prophets that blessed people, they blessed them by faith. Le courage naturel n'est pas la foi. Natural courage is not faith. L'audace n'est pas la foi. Audacity is not faith. Vous voyez le cas de l'apôtre Pierre. You see the case of Apostle Peter. Jésus a dit à ses disciples, Jesus told his disciples, vous allez tous m'abandonner. You, all of you, will abandon me. Est-ce que Jésus s'amusait? Was Jesus joking? Est-ce qu'il s'amusait? Was he joking? Qu'est-ce que Pierre lui a dit? What did Peter tell him? Que quand tous t'auraient abandonné, that even though all abandon you, moi je ne t'abandonnerai jamais. Will never abandon you. Est-ce que Pierre mentait? Was Peter lying? Est-ce qu'il mentait? Was he lying? Il ne mentait pas. He was not lying. Il disait la vérité. He was saying the truth. Mais sa foi se fondait sur quoi? But what was his faith grounded on? Qu'est-ce que Jésus avait dit? What did Jesus say? Que vous allez
Tous m'abandonnent. You, all of you will abandon me. Qu'est-ce que lui il a dit? What did he say? Qu'il n'abandonnera jamais. That he will never abandon. Est-ce que ça a marché? Did it work? L'histoire a retenu que Pierre a tremblé devant une servante. History retained that Peter trembled before a maid servant. Il n'y a que la vraie foi. It's only true faith qui donne le vrai courage. That gives true courage. Qui donne le vrai enthousiasme. Which gives true enthusiasm. Qui donne le vrai zèle. Which gives true zeal. Les fiancés là. Those who are engaged. Ne les amène pas à la guerre. Ne les amène pas au front, dans là où il y a un travail sérieux. Do not bring them where there is a serious work. Vous savez pourquoi? You know why? Qui sait? Who knows? Qu'est-ce que la Bible dit? Mais n'inventez rien. What does the Bible say? Do not Est-ce que la Bible dit d'amener les fiancés au front? Does the Bible tell us to bring those who are engaged Moi, to the front? Des cas ici, mes petits là, quand ils sont fiancés, la RTVC, parce que c'est leur période de fiançailles. Mais c'est difficile. Caméra et fiançailles, ça, parfois ça ne se rapproche pas. Sometimes it that do not go together. C'est, amour est parti d'ôter ça. Le week-end. Amour went to pay the dowry. Sa tête là où il est là. Pascal, Christian, les noces ne font que continuer. The wedding are only going on. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quand les gens viennent de se marier, laisse le temps qu'ils reviennent avec beaucoup de force. Quand ils vont revenir, là, vous allez voir les caméras dans les couloirs comme avant. When people have just got married, you let them take time and come with strength. When they come with strength, you will see cameras everywhere in the corners. Hallelujah. Praise the Lord. Même si tu jures par le ciel, even if you swear by heaven, quand ça ne repose pas sur la promesse, when it does not rest on the promise, ça va s'écrouler. It will fail. Mais si c'est fondé sur la parole, but if it is grounded on the word, la parole a en elle-même la puissance pour protéger ta foi. The word possesses in itself the power to protect your faith. Quand la Bible dit le juste vivra par la foi, when the Bible proclaims that the just shall live by faith, ça veut dire beaucoup de choses à la fois. It means a lot of things at a time. Ça veut dire que même tes prières seront exaucées parce que tu crois. It means that even your prayers will be granted because Mais you believe. Mais surtout ta vie même. But above all, your own life, your life. Ta persévérance. Your perseverance. Depends de la promesse. On the promise. Je suis avec vous tous les jours. I'm with you always. Jusqu'à la fin du monde. Up to the end of the si world. Si tu crois ça, if you believe this, tu ne choueras jamais. You will never fail. Jamais. Never fail. N'inventez pas la foi. Do not invent faith. Accroche-toi à la promesse de Dieu. Cling to the promise of God. Et ce que Dieu n'a pas promis, what God has not promised, n'investis pas dessus. Do not invest on it. Ça, c'est toi-même. This is yourself. Même quand tous t'auraient abandonné, je ne t'abandonnerai jamais. Even if all abandon you, I will never abandon you. Et après quelques heures, and some hours later, ça devient que je ne connais pas cet homme. He proclaims, he says that I don't know this man. Que ta parole est vraie. Oh Père, je prie, Seigneur,
que tu imprimes dans notre esprit que ta parole est vraie. Ta parole est vraie. Ta parole est vraie. Ta parole est vraie. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Rien ne peut la détruire. Rien ne peut contre elle. Ce que tu promets, Seigneur, tu l'accomplis certainement. Et tu as posé cette base pour que notre foi soit enracinée sur elle, construite sur elle, bâtie sur elle, solidifiée sur elle. Ô Père, s'il te plaît, je supplie ta grâce afin que nous ne nous détournions point de cette parole, mais que nous nous accrochions à cette parole, que nous avancions avec elle, que nous fassions tout avec elle. Nous supplions, Seigneur, ô Père, s'il te plaît, car tu veux accomplir des prodiges. C'est le chemin pour accomplir des prodiges, pour accomplir des choses extraordinaires. Nous supplions, Seigneur, que nous ne nous détournions point de cette réalité. Je supplie ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre compagnon de tous les jours, notre Dieu, notre pain. De jour comme de nuit, qu'elle soit là présente et qu'on l'accepte. Que le doute ne la rejette jamais. Oh notre Dieu, notre pain. Qu'on se lève à cette parole. Qu'on s'asseye avec cette parole. Qu'on se couche avec cette parole. Et qu'on se relève avec cette parole. Pour être tout debout, debout, comme tu l'as proclamé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Il y a une autre dimension de la foi. There is another dimension of faith. Elle repose sur la connaissance révélationnelle. It rests on the revelational knowledge du dessein de Dieu, of the purpose of God. C'est-à-dire de Dieu, that is of God, de son dessein, of his purpose, de son œuvre, of his work, de ses voies, of his ways, de son nom ou ses noms, okay, on his name or his names. Tu peux recevoir la révélation du Dieu tout-puissant. You can receive the revelation of the Almighty God. Ou de l'Éternel. Or of the Lord. Tu reçois cette révélation. You receive this revelation. C'est une compréhension directe. That is a straightforward comprehension. Imprimée sur ton esprit. That is printed on your spirit. Lis Marc 7, 24 à 30. Mark chapter 7, reading from verse 24 to 30. Marc chapitre 7, le verset 24 à 30. Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon était sorti. Amen. Mark chapter 7, reading from verse 24 to 30. From there he arose and went to the region of Tyre and Sidon. And he entered the house and wanted no one to know it, but he could not be hidden. For a woman whose young daughter had an unclean spirit heard about him, and she came and fell at his feet,
The woman was a Greek and Syrophoenician by birth, and she kept asking him to cast the demon out of her daughter. But Jesus said to her, "Let the children be filled first, for it is not good to take the children's bread and throw it to the little dogs." And she answered and said to him, "Yes, Lord, yet even the little dogs under the table eat from the children's crumbs." Then he said to her, "For this saying, go your way, the demon has gone out of your daughter." And when she had come to her house, she found the demon gone out and her daughter lying on the bed. Amen. Ici, here, c'est un principe très sérieux. It is a very earnest principle. La femme qui sollicite la guérison de sa fille, the woman who was asking for the healing of her daughter, avait reçu une réponse dure. She received a very hard answer. Jésus lui dit, Jesus told her, je ne peux pas venir là-bas, I cannot go there, parce que vous n'êtes pas les enfants d'Israël. Because you are not children of Israel. Je suis venu I pour les enfants d'Israël. For the children of Israel. Et il, cette femme, and that woman, avait la capacité divine de savoir que même si nous ne sommes pas d'Israël, she had the divine capacity to know that even though we are not from Israel, nous pouvons être greffés comme l'apôtre Paul a enseigné plus tard. We nous can pouvons be être add, greffés et être bénis. We can be added, and as Apostle Paul taught it later on, we can be added and be blessed. Elle dit, même sous la table, les petits chiens peuvent se rassasier. She said, even under the table, the little dog can be filled. Il y a eu une puissance qui est sortie de ces paroles. A power came out of that word. Et le démon a fui. And the demon departed. Jésus dit à la femme, Jesus tells the woman, quand tu as parlé, when you spoke, le démon a fui. The demon went. Ça c'est des proclamations à partir d'une connaissance divine, révélationnelle de qui est Jésus. These are proclamations made from a divine and revelational knowledge of who is Jesus. Si c'était une autre femme, if it was another woman, elle allait rentrer en pleurant. She will go back home crying. Que Jésus ne l'aime pas. That Jesus doesn't love her. Que Jésus a refusé de guérir sa fille. That Jesus refused to heal her daughter. Elle allait dire, je m'en vais chez les marabouts maintenant. She will now say that I'm going to the marabouts. Je m'en vais chez les féticheurs. I'm now going to the fetish man. Jésus m'a rejeté. Jesus has rejected me. Elle est restée là, calme, ferme. She remained there, calm and firm. Elle dit, même si tu nous permets de manger les miettes, ça nous suffit. Even if you allow us to eat the crumbs, this is enough for us. Parce que avec toi, because with you, même les miettes, even the crumbs, ont une grande valeur. Have a great value. Bam, le démon est parti. Bam, the demon departed. Et le Seigneur attend de nous ce type de foi. The Lord is expecting this kind of faith from us. Avec tous les échecs là, tu fais ceci, tu échoues, tu fais ceci, tu échoues. With all these failures, you do this, you fail. You do that, you fail. Tu vas ici, on t'insulte. Tu vas là-bas, on te chasse. You go there, they insult you. You go there, they cast you out. Tu doutes déjà de toi-même. And now you doubt about yourself. Lève-toi. Rise up. Proclaim. Que moi aussi. That I too. J'ai été créé par l'Éternel. I've been created by the Lord. Tu dis, il est écrit. And you said it is written. Quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera point confus. Whoever shall call upon the name of the Lord will not be confused. Et tu dis, moi aussi. And you say, I too. J'ai invoqué son nom. I have called upon his name. Je mérite cette promesse. And I will see that. Bam! Bam! Le démon s'en va. The demon departs. Tu t'appelles parole, Seigneur Jésus-Christ.
Tu t'appelles parole, Seigneur. Et cette parole, Seigneur, c'est toi, Dieu. Si nous ne nous attachons pas à cette parole, Seigneur, à qui d'autre irai-je, Seigneur? À qui d'autre irons-nous, Seigneur? Tu es la parole de la vie, Seigneur. Tu es la parole qui donne la vie, Seigneur. Tu es la vie. Cette parole, Seigneur, nous devons nous accrocher à cette parole, Seigneur. Tu es la parole, Seigneur, qui transforme, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur, à travers cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Regardons notre cas. Matthieu 8, verset 5 à 13. Let us look in another case, Matthew 8, reading from verse 5 to 13. Matthieu chapitre 8, verset 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: J'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un: va, et il va. À l'autre: viens, et il vient. Et à mon serviteur: fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis, Jésus dit au centenier: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Matthew 8, reading from verse 5 up to 13. Now when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him, saying, Lord, my servant is lying at home, paralyzed, dreadfully tormented. And Jesus says to him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word and my servant will be healed. For I also am a man under authority, having soldiers under me. And I say to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes. And to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he marveled and said to those who followed, assuredly, I said to you, I have not found such great faith, not even in Israel. And I say to you that many will come from east and west and sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the sons of the kingdom will be cast out in outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to the centurion, go your way, and as you have believed, so let it be done for you. And his servant was healed that same hour. Amen. Vous voyez? You see? Quelqu'un dit à Jésus, someone tells Jesus, viens guérir mon enfant. Come and heal my child. Jésus dit, allons-y. Jesus said, let's go. Il dit non. He said no. Toi, tu n'avais pas besoin de te déplacer. You don't even need to displace yourself. Tu es Dieu. You are God. Moi-même, je suis un simple homme. I am a simple man. Je dis à mes serviteurs, va ici, il va. I tell a servant. Je dis à mon serviteur, va là, il va. Viens, il vient. I tell my servant, come, and he comes. Go there, and he goes. Parle seulement. Just speak. Jésus dit, ça c'est pas possible. Jesus said, this is not possible. Il y a cette foi là déjà sur la terre. Is there such a faith on earth? Il dit, okay. He said, okay. Va, l'enfant est guéri.
Go, he is healed. C'est ça que Dieu nous demande. That's what God requires from us. Il faut que tu connaisses Jésus d'une manière divine. It takes that. You need to know Jesus in a divine way. Les gens savent qu'il est le sauveur du monde, il est le Seigneur des Seigneurs, mais il y a une autre manière de le connaître. People know that he's the savior of the world, he's the Lord, but there's another way to know him. Dieu veut que nous croyions de cette manière-là. God wants us to believe that way. Frères bien-aimés, beloved brethren, Dieu veut, God wants, que nous croyons qu'il n'y a pas de, y a les gens disent des maladies incurables là. Ce nom-là, nous on barre ça. On dit maladie, c'est maladie. What people call diseases that are not curable, we have to cross it. Parle, Seigneur Jésus. Speak to the Lord Jesus. Et ce mal va disparaître. And that pain will disappear. Parce que nous te connaissons. Because we know you. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. You are the one who created heaven and earth. Quand on dit que la parole était au commencement. And we said that the word was at the beginning. C'est toi. And it's you. C'est là où cancer des seins, cancer des intestins, cancer de col, cancer de la prostate, tout ça là, dans les abîmes. It is at that time that the breast cancer, the cervical cancer, the cancer of the intestine, all this will be in the abyss. Il dit que cela te soit fait comme tu as cru. He said, let it be done as you believed. Comme tu as cru que Dieu ne peut pas mentir. As you believe that God cannot lie, il dit, moi l'Éternel, je dis amen. He said, I Lord, I say amen. Et tu ne seras jamais confus, tu n'auras jamais honte d'avoir cru en Dieu. And you will never be confused and you never be ashamed to have believed in God. Quand tu veux manifester cette foi-là, ne regarde pas comment les autres sont en train de douter. Que ça ne t'intéresse même pas. When you want to manifest that faith, do not even look at how the others are doubting around you. Do not care about that. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est pour cette raison qu'il faut veiller sur ta langue, tes paroles. You must watch over your tongue on your word. Sur tes paroles. On your word. Les mots doivent être bien choisis. Words must be well chosen. Le fils de l'enfant qui était lunatique a failli perdre la bénédiction parce qu'il a dit, si tu peux, il a tout gâté. Okay, the child that failed with epilepsy and that woman doubted a bit because she said, if you can. It was the father, okay? It was the child that was suffering from epilepsy. It was the child of a woman, of a man. And the man doubted a bit, saying, Lord, if you can. Jésus a dit, si tu peux. Jesus said, if you can. Il a dit, oh, viens au secours de mon incrédulité, sauve-moi. He said, oh, come and rescue my unbelief and save my child. Et Jésus a chassé le démon. And Jesus cast the demon out. L'enfant fut guéri. And the child was healed. Dieu a demandé à Job. God asked Job, quel est celui qui veut obscurcir mes desseins par des discours sans intelligence? Who is that one who would like to darken my purposes with discourses without intelligence, without wisdom? À cause d'une petite épreuve, because of a little test, tu parles mal. You speak badly. Et ça obscurcit les desseins de Dieu. And this darkens the purposes of God. Le miracle que Dieu avait programmé est en train de s'éloigner de toi. The miracles that was planned by God is getting away from you. Pourtant, yet, Job avait bien commencé le combat. Job started the battle. Il tenait ferme. He remained firm. Il refusait de maudire Dieu. He refused to curse God. Il tenait ferme.
He stood firm. Il résistait aux accusations de ses amis. And he resisted the accusations of his friends. Après, il a commencé à bavarder. And after he started talking. Il dit à Dieu, je t'ai fait quoi? Telling God, what have I done to you? Apporte ta plainte, je vais accrocher ça ici pour montrer que je suis sans faute, bring, innocent. Bring your complaint, I will hang it here to show that I am innocent. I am without fault. Il parlait, il parle. He was speaking and speaking. Ce type de discours, this kind of discourse, obscurcit le plan de Dieu. Darkens the purpose of God. Tu es dans le chômage. You are in unemployment. Tu cherches le travail. And you are seeking et job. Et tu pries pour ça. And you pray for it. Mais sois sage. But be wise. Prie seulement. Just pray. Ne commence pas à bavarder beaucoup. Do not start talking a lot. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? What is this? What is this? Si c'est comme ça même. If this is the case. Oh, si je fais comme les autres. I too will do like the others. Alors Dieu va te dire mais pourquoi? Va faire. And God will tell you yes, just go and do it. Qui est celui? Who is that one? Qui veut obscurcir mes desseins? Who would like to darken my purposes? Par des discours sans intelligence. With discourses without intelligence. Job chapitre 38 verset 1 et 2. Job chapter 38 reading from Oh, tu veux obscurcir les desseins de Dieu. Who want to darken the purpose of God? Tes paroles obscurcissent les desseins de Dieu. Your words darken the purposes of God. Ton attitude obscurcit les desseins de Dieu. Your attitude darken the purposes of God. C'est vrai. It is true. Tu as un problème. You have a trouble. Tu cherches la solution de Dieu. You are seeking the solution of God. Mais obéis à la pensée de Christ. But obey the thought of Christ. Obéis à la pensée de Christ. Obey the thought of Christ. Obéis à la pensée de Christ. Obey the thought of Christ. Obéis à la pensée de Christ. Obey the thought of Christ. Ne coopère pas avec le rebelle. Do not cooperate with the rebellious one. Le diable. The devil. Qui viendra te dire Dieu t'a abandonné. Who will come and tell you God has abandoned. Allons chez les fétichiers. Let us go to the fetish man. Dieu t'a abandonné. God has abandoned you. Allons chez les marabouts. Let us go to the marabouts. Quel est celui? Who is that one? Qui est celui qui veut obscurcir mes desseins? Who would like to darken my purposes? Par des discours sans intelligence. With discourses without intelligence. Fais comme la femme syrophénicienne. Do as the Syrophénician woman. Tiens Jésus. Tell Jesus. Même les miettes. Even the crumbs. Peuvent rassasier les petits enfants. Can feel the little children. Dis-lui. Tell him this. Fais comme ce chef. That do as this centurion. Tiens, Jésus parle seulement. And who told Jesus just speak? Même mes os even vont se rassembler. Even the même mes ossements vont se rassembler. Even the bones will gather. Et la chair va pousser. And the flesh will grow. Il y aura les nerfs. And there will be nerves. Et l'esprit va rentrer en moi. And the spirit will get in it too. Et je vais revivre. And I will live. Je vais revivre. I will live again. Je vais revivre. I will live. En confessant ces choses. By confessing these things. Tu touches le cœur du Père. You touch the heart of Et the Father. Il ordonne des légions. And he command legions. Nous sommes allés à Yamoussoukro. We went to Yamoussoukro. Il y a une jeune fille qui a rendu témoignage. A young lady testified. Pendant qu'on priait, while we were praying, elle dit, elle a entendu une voix. Elle s'est retrouvée d'abord au fond de la mer. She said that she found herself deep down in elle the sea. Elle était au fond de la mer. She was in the bottom of the sea. Et il y avait une bande sur sa bouche. And there was something on her mouth. Et il y avait une marque sur son front. And there was a mark on her. Et elle avait her forehead. Et elle voyait souvent dans les rêves qu'elle a une alliance. And in her dreams, she used to see a ring. Quand on a commencé les prières de combat, when we started the prayer of warfare, elle a entendu une voix qui a ordonné qu'elle soit délivrée. She heard a voice that commanded her to be delivered. Et il y a un ange qui est descendu. Il dit qu'il y avait quelqu'un qui était en blanc. Mais c'est que c'est un ange de Dieu qui est descendu. And an angel came down. Et qui l'a sorti de là. Elle dit qu'elle avait les chaînes partout. She said that she has some chains everywhere. Et la lumière est venue du ciel et a illuminé, les chaînes sont tombées. And light came from heaven and shined there and all the chains broke. Et quelqu'un est venu enlever la marque. And someone came to remove the mark. Et elle dit, tu n'es plus ma femme. And he said, you are no more my wife. C'est fini. It's finished. L'autre enlève, il a enlevé la barre, il l'a jeté au feu. He took out the ring and put it in the fire.
Qu'est-ce que je veux dire? What do I want to say? Vous pouvez consulter le document à la RTVC. Je veux dire que Jésus n'a pas changé. I just want to say that Jesus has not changed. Ça, c'est les délivrances de haut niveau. These are deliverances of high level. Où les prières des saints where the prayer of the holy libèrent les anges, ils entrent même dans les mers. Where the prayers of the holy ones even release angels that get down into the seas. Et ça se vit en 2021. And this can be seen in dans 2021. Notre siècle. In our century. Dieu va agir. God will work pour toi. For you. Dieu travaille. God works pour toi. For you. Mais ne sois pas incrédule. But do not be unbelieved. N'obscurcis pas ses desseins. Do not darken his purposes. Il y a un jeune homme. There is a nord de Côte d'Ivoire. There is a young man. Quelqu'un l'avait offensé. Somebody offended him. Il s'est fâché. And he got angry. Il était découragé. He was discouraged. Il est parti commettre la fornication avec trois filles parce qu'il est découragé. He went to commit fornication with three ladies, because he was discouraged. Il y a des gens qui font des mauvais choix. There are people who make evil choices. Quelqu'un te provoque. Somebody provokes you. Et tu t'en vas à l'enfer. And you go to hell. Tu as obscurci. You have darkened. Tu as noirci ta vie. You have darkened your life. Tu as noirci ta vie. You have darkened your life. Je suis découragé. I'm discouraged. Et tu te retrouves dans les bras d'un petit bandit. And you find yourself in the hands of a little bandit. Tu as obscurci les desseins de Dieu. You have darkened the purpose of God. Tu n'as pas la foi. You do not have faith. Tu as perdu la foi. You have lost faith. Tu as perdu la promesse. You have lost the promise. Oui, le Seigneur dit, tu as perdu la foi. You have lost faith. Tu as perdu la foi. You have lost faith. Tu as perdu la promesse. You have lost faith. Tu as perdu la foi. You have lost faith. Tu as perdu la foi. You have lost faith. Et tu as perdu la promesse. And you have lost the promise. You have lost the promise. Oui, le Seigneur dit, tu as perdu la foi. The Lord says you have lost faith. Tu as obscurci. You have darkened the purpose. Si tu veux prier, lève-toi. If you want to pray, then rise up and pray. Oh Père, ce soir tu nous enseignes, tu nous instruis, pour que nous soyons enracinés dans tes voies. Oh notre Père, tu élèves notre foi, tu augmentes notre foi. Tu nous transportes vers nos lieux élevés. Tu nous donnes, Seigneur, de marcher la tête élevée, Seigneur, sans douter, Seigneur, sans revenir aux choses que nous avons vomies. Merci, notre Père, pour ta parole, pour la lumière que tu nous as accordée, que tu nous as donnée pour nous éclairer. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Cet enseignement, Seigneur, m'expose notre Dieu. Et j'ai vu ma folie de par moments, Seigneur, au travers mes paroles qui blessaient ton cœur, notre Dieu. Parce que c'était des paroles qui obscurçaient tes desseins dans ma vie. Et même dans ma maison, Seigneur, j'ai compris, notre Dieu. Je prie que tu me pardonnes, notre Dieu. Et que cet enseignement ce soir, oh notre Père, soit pour moi une délivrance authentique. Je prie notre Père que la foi, Seigneur, soit désormais pour moi un vêtement, Seigneur. Je te supplie notre Père, accorde-moi ta grâce de sorte que, Seigneur, la foi soit pour moi pour toujours jusqu'à ce que tu reviennes infaillible, Seigneur notre Dieu. Sois béni, Seigneur. Je prie que tu fasses de même, afin que tout ce que nous venons d'entendre ne soit pas des paroles jetées, Seigneur, mais des paroles qui secouent toute notre âme et qui nous amènent à une transformation authentique pour permettre à tes desseins, Seigneur, de nous bénir. Gloire soit à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, je me repens d'avoir pensé que tu ne m'as jamais aimé. Seigneur, je regrette d'avoir écouté ces voix qui m'ont dit que tu ne m'aimes pas. Seigneur, ta parole dit que nul ne vient à toi si le Père ne l'a attiré.
Oh Seigneur, nous nous repentons. Je reconnais que je n'ai pas la vraie foi. Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Au travers de cet enseignement, Seigneur, je sais maintenant que je dois manifester la foi qui vient de toi, Seigneur, qui est basée sur ta parole, Seigneur. Je ne dois pas inventer, oh Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce privilège que tu me fais. Merci parce que c'est une grâce que, Seigneur, tu me fais. Je ne mérite pas cela, mais tu as permis que j'entende cette bonne nouvelle. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut donner sa vie à Jésus? Is there someone in the hall who would like to give his life to Jesus? Viens, viens ici directement. Come, come here. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève-toi, tu viens. If you want to give your life to Jesus, rise up and come. Rapidement. Speedily. Ne permets à aucun démon de te retenir. Do not allow any demon to retain you. Est-ce qu'il y a une telle personne en route? Is there such a person on the way? Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Lève-toi et viens. Rise up and come. Si tu es un frère, lève ta main et bénissons ses frères. If you are a brother, raise your hand and let us que bless la grâce de Dieu soit sur vous. Let the grace of God be upon que them. Que les desseins de Dieu s'accomplissent. That the purposes of God be fulfilled in their lives. Que les voies de Dieu vous soient révélées. That the ways of God be opened. Que vos vies ne soient plus jamais les mêmes. That your life never be, never more be the same. Que toutes les malédictions de vos familles soient loin de vous. Or let all the curses of family les depart liens from you. De mort, de séjour de mort soit loin de vous. Whether they come from the Hades. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Prenez-les. Take them. Je vous embrasse. I embrace you.